J'ai le plaisir de pouvoir procéder aujourd'hui à la signature de quatre contrats de don. Dans le cadre de l'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, APL. Pour un montant total d'environ 373 380 dollars américains, alloués dans le cadre de la construction de trois écoles primaires au plateau central à Hinche, dans les sections de Marmont, Wanikerter et de Carneille, et un dispensaire communautaire dans le Lativonite à Saint-Michel-de-Atalaye, section Las Lomas. Le projet d'aménagement de l'école de Carême, qui sera exécuté par le comité d'action pour le reboisement et l'éducation de Marmont, est financé à hauteur de 500 946 dollars américains. Il vise à améliorer l'environnement d'apprentissage de 315 élèves et des professeurs par la réhabilitation de bâtiments existants qui comprend 7 salles de classe et la construction de 3 nouvelles salles de classe répondant aux normes pédagogiques. Le projet de reconstruction de dispensaire communautaire de Las Lomas, Saint-Michel de l'Atalaye, qui sera exécuté par l'Union de jeunes de Saint-Michel, est financé à hauteur de 77 600 dollars américains. À travers ce projet, l'organisation qui gère le dispensaire se propose d'améliorer l'accès aux services aux soins de santé de base dans la communauté de Las Lomas. Le bâtiment du dispensaire, qui offre ses services à environ 200 personnes par mois, sera désormais doté d'une salle d'attente, une salle d'accouchement, une salle d'administration, une pharmacie, une bibliothèque, une salle de consultation, un dortoir et un bloc sanitaire. Le projet soumis et sera exécuté par l'organisation Œuvre Samaritaine de Hinche, intitulé Le projet d'aménagement de l'école communautaire de Terre Blanche, est financé à hauteur de 700 937 dollars américains. Ce projet vise à l'amélioration des conditions d'apprentissage de l'école où les 260 élèves étudient actuellement sous une tente couverte avec la bâche. La construction d'un bâtiment comprenant 6 salles munies, tous les mobiliers scolaires appropriés comme bancs, chaises, tableaux et bureaux, et la construction d'un bloc sanitaire répondre aux exigences pédagogiques et de sécurité. Le projet d'aménagement de l'école mixte communautaire Olinès, soumis et sera exécuté par l'association mutuelle spirituelle des anciens frères unis et les rapatriés, financé d'un montant de 81 897 dollars américains. À travers ce projet, 180 élèves abrités actuellement dans un local qui n'appartient pas à l'école mixte communautaire Olinès auront l'accès à un nouveau bâtiment de l'école avec 6 salles de classe équipées de mobilier scolaire et un bloc sanitaire. Comme vous le savez tous, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation et la santé, reste un des grands défis auxquels doivent faire face non seulement le gouvernement, mais aussi les responsables locaux engagés activement. Dans ce contexte, le gouvernement du Japon, que je représente ici, est très heureux de pouvoir appuyer les engagements communautaires comme celle-ci
afin de consolider le droit fondamental de tous les enfants à recevoir une éducation et des soins de santé de qualité. À cet effet, j'espère vivement que les travaux de construction se dérouleront parfaitement et achèveront dans le délai requis, et ce, pour garantir le plus rapidement possible un environnement adéquat d'apprentissage aux enfants et fournir dans la dignité des soins de santé de qualité aux populations de Las Lomas. Avant de terminer, je voudrais féliciter les quatre organisations présentes aujourd'hui pour leur volonté et engagement manifestés en vue de créer de meilleures conditions sociales au sein de leur communauté. De longs chemins ont été parcourus pour y arriver. C'est le fruit d'un travail de dur labeur mené par des gens qui ont du courage. L'école du Carême, fondée en octobre 1992 par une organisation dont l'école porte son nom. Pendant environ un quart de siècle, elle n'a jamais failli à sa mission, celle d'aider les enfants démunis à trouver le pain de l'instruction. Elle est une école de référence pour la zone. Tombée en délabrement, le bâtiment nécessite une réhabilitation et une augmentation du nombre de salles existantes. Un document a été préparé et soumis à l'ambassade du Japon, qui, après l'analyse minutieuse de ce dossier, a répondu positif à l'appel et finalement, l'ambassade a accepté de financer la réhabilitation du bâtiment déjà existé, soit 7 salles de classe, et construit 3 autres salles de classe dans le cadre d'une extension suivant la demande qui augmente chaque année. Je voudrais donc, au nom de toute la population de la Lomas, saluer l'ensemble des personnalités présentes à cette cérémonie de signature de contrat de don pour plusieurs projets de développement dans le pays, plus particulièrement dans la section de la Lomas, quatrième de la commune de Saint-Michel-de-la-Talagne, que je représente. Ce projet a pour titre de réhabilitation du dispensaire de la Lomas d'un montant de 77 600 $ américains. Vise à reconstruire ce dispensaire communautaire avec une grande salle d'attente, une salle de consultation, une salle de laboratoire, une salle d'accouchement, une chambre à coucher, un archive, la pharmacie et un bloc sanitaire dans la cour du dispensaire, etc. Nous disons un grand merci au peuple japonais qui donne ce don pour la reconstruction du local de ce dispensaire en vue d'améliorer le système de santé dans la section. Je tiens à remercier le peuple japonais pour avoir accepté de financer ce projet à travers l'ambassade du Japon en Haïti. Il s'agit en effet d'un projet qui consiste à construire 6 salles de classe, un bloc sanitaire et faire l'acquisition d'une trentaine de bancs, ce qui certainement va contribuer à améliorer les conditions de travail des plus de 300 élèves ainsi que le personnel enseignant qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles dans cette communauté rurale dénommée Terre Blanche. Nous voudrions bien saisir cette occasion pour renouveler publiquement notre engagement et détermination à mettre en œuvre le projet comme conclu dans ce protocole d'accord qui vient d'être signé, et tout en suivant scrupuleusement les démarches techniques décrites dans le document de projet qui a été élaboré, soumis et approuvé par l'ambassade.
l'ambassade du Japon en Haïti nous a choisi un don de 81 897 $ américains pour nous aider à construire l'école communautaire Mix Holiness qui a 6 salles de classe, un bloc sanitaire de 4 cabines, 35 bancs et 12 tableaux. Grâce à ces dons, la communauté de Fort Résoli, zone Papaye, commune de Hinche, va disposer un espace attrayant pour faciliter le travail des professeurs et le travail des professeurs et d'admiration et des élèves.